Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La phase zonale du championnat universitaire édition 2022 va être lancée le 12 novembre 2022. En prélude à cette compétition, les équipes universitaires de la zone nord ont été fixées le lundi dernier sur leurs différents adversaires. Elles sont au total 12 en football, 7 en basketball et 4 en handball à prendre part à cette compétition. L'équipe de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE va prendre part à la compétition dans la zone nord uniquement en football. Elle est classée dans le groupe B aux côtés de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG et de la faculté de droit et sciences publiques FDSP. Toujours championnat universitaire, ESAE est également engagé dans la zone sud avec son équipe ESAE FC. En guise de préparation, ESAE Football Club a affronté hier sur le terrain du centre Don Bosco l'équipe de l'université UKO qu'elle a battu sur le score de 2 buts à 0. Le compte rendu vous est proposé par nos reporters. ESAE FC s'impose 2 buts à 0 face à la sélection de l'UKAO. En guise de préparation pour les Jeux universitaires 2022, les deux équipes se sont affrontées pour s'évaluer avant la compétition. Dès l'entame, ESAE FC a très vite montré ses griffes. Mais l'équipe de l'UKAO va résister jusqu'à la fin de la première partie qui coïncide avec une faute pluie. De retour des vestiaires et sous les caprices de Mère Nature, ESAE FC trouve le chemin des filets avec Idriss Tiamiou. Galvanisé par le premier but, la sélection de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE inscrit le deuxième but par l'entremise du capitaine Fad Akintola. ESAE FC signe cette victoire qui vient confirmer ainsi sa bonne forme pour le démarrage des Jeux universitaires. Ça s'est soldé sur une victoire et nous ferons l'effort de nous améliorer plus afin d'être totalement prêts pour mieux gérer le championnat. Ils nous ont mis dans une poule où on fera de notre mieux pour être le leader. Et notre objectif, c'est d'atteindre le sommet, occuper la première place au niveau national. Les étudiants de Clément Adéchian vont évoluer dans la poule A aux côtés de Euseb Leberger, ESM Bénin et l'ENEAM durant cette compétition. Le projet Roller Sport comme un levier d'émancipation des filles et des femmes de la Fédération béninoise de Roller Sport se poursuit après un don d'équipement de roller fait aux élèves des différents collèges ciblés. La première séance d'initiation à la pratique du roller a eu lieu du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au total, 31 filles âgées de 10 à 14 ans
ont répondu présentes à cette séance organisée par la Fédération Toujours Roller à l'occasion des Jeux mondiaux de roller sport connus sous le vocable World Roller Game organisé cette année en Argentine. Le Bénin s'est fait représenter par son juge de inline freestyle Thierry Dosuyovo, actuel président de la commission technique de inline freestyle. Celui-ci va officier aux côtés des juges internationaux de World Skate au cours de la plus grande compétition mondiale de roller rassemblant plusieurs athlètes venus des quatre coins du monde. Au football, au lendemain de l'élimination de la sélection olympique béninoise au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023 le dimanche dernier, Colombe Oussou a recueilli l'avis de quelques journalistes sportifs sur la prestation des écureuils et sur la loi du but marqué à l'extérieur. Suivez plus tôt. Échouer à une compétition, c'est pas la fin du monde. C'est se relever de cet échec-là, travailler pour aller de l'avant, le plus important. Les écureuils U23 nous ont fait rêver tout simplement. Ils avaient deux buts à remonter, je pense qu'ils l'ont fait déjà avant la pause. On y avait cru jusqu'au bout. Le troisième but est intervenu après la 110e minute. C'est un autogol qui vient tout gâcher. Hein. Parce que jusqu'à la 85e minute de jeu, le Bénin était déjà qualifié, mais... un autogol a tout gâché. Il faut féliciter les gars, ils ont fait l'essentiel. Et on a vu des écureuils qui ont vraiment bataillé dur, des écureuils qui ont compétité dur. On a vu également un coaching gagnant du côté de Adoula. Nous avons vu des jeunes très engagés qui ont voulu obtenir la qualification pour cette compétition. Ça s'est fait concrétiser dans les premières 45 minutes par l'égalisation sur l'ensemble des deux matchs, deux buts déjà avant la fin de la première partie. Et après, au retour, ils n'ont pas baissé d'intensité. Ils sont allés au troisième but. Malheureusement, la qualification ne viendra pas. Un résultat qui fait mal aux supporters béninois. Si j'enlève mon manteau de journaliste, je suis supporter, je suis béninois après tout. C'est un résultat qui fait mal. Surtout que nous étions à quelques minutes de la qualification. Nous avions remonté les deux buts. C'était déjà un espoir en première partie de revenir à hauteur du Soudan 2-0. Nous avions marqué le troisième but tant souhaité et c'est des fautes. C'est des fautes, on ne pourrait pas accuser celui-là qui a marqué le but contre son camp. C'était venu contre le cours du jeu. Première seule grosse occasion du Soudan et ça a payé cash. On a eu droit à une campagne assez intéressante côté écureuil. Surtout sur la rencontre, quand on suit cette rencontre où... le score à l'arrivée était de 3-1. On a vu que les Béninois méritaient largement de passer parce que quand on regarde la physionomie de la rencontre, dans les grands moments, dans les débats, c'était beaucoup plus les Béninois qui étaient au-dessus. Il faut dire que hier, on a senti l'engagement chez les jeunes. Il y avait l'engagement, il y avait l'ambition, il y avait cet esprit de gagne. Remonter deux buts à la première mi-temps et ce sont les écureuils qui le font. Moi, j'étais étonné hier au stade. Des jeunes qui ont réussi à combiner le ballon, à enchaîner jusqu'à une dizaine de passes sans perdre le ballon. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Donc, j'ai eu l'impression que ce n'était pas le Bénin. Il y avait eu de la production de jeu. Les jeunes étaient engagés, ça allait de l'avant. Ce n'était pas un bloc bas comme nous l'avons l'habitude de voir avec nos équipes nationales. Donc, malheureusement, la qualification n'est pas arrivée. Je ne sais pas s'il faut parler de mérite ou s'il faut parler de l'environnement. Et on était déjà tout proche d'une remontada. Malheureusement, le but à l'extérieur compte. En Europe, ça n'existe plus. C'est l'UEFA qui a créé sa loi. L'UEFA a encore retiré sa loi. Et pourquoi pas la CAF? Mais il faut pas tout ignorer dans le but marqué à l'extérieur. C'est aussi un plus pour l'adversaire. Donc, le Bénin aurait pu le faire dans son déplacement, qu'on ne serait pas là à crier cette défaite. Donc, c'est une règle instaurée, tout le monde le sait. Ce n'est pas hier que c'est inventé. Pour ce qui est arrivé hier, je pense qu'on ne va pas accuser le but marqué à l'extérieur. On le savait avant le coup d'envoi de la rencontre. On le savait même avant d'être engagé dans les éliminatoires. Donc, ce n'est pas encore un problème au football africain. C'est déjà une leçon pour les joueurs eux-mêmes, savoir gérer tous les moments forts, les moments faibles d'un match, c'est très important. Et le Soudan s'est qualifié par résistance.
ils n'ont pas désespéré. Dès le troisième but, ils ont continué, ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ils ont obtenu un corner. Et voilà, le résultat, ça paye cash. Ça fait un peu mal quand on est béninois, quand on a vu ce qu'on a vu hier et qu'on n'est pas qualifié. Donc, c'est le football, c'est le sport. Il y a trois résultats. Soit vous perdez, soit vous gagnez, soit vous séparez dos à dos. Donc voilà, le Bénin a perdu. La vie continue, on se prépare pour d'autres aventures. On a vu la U20, la U17, la U23. Je n'aurais que l'envie que ce travail là puisse continuer et que nous ayons dans les années à venir cette capacité-là de participer à une Coupe d'Afrique de U23. Donc il va falloir travailler à ce que ces jeunes-là ne se déroutent pas. Donc il va falloir un suivi pour que déjà, dès prochainement, on puisse récupérer les meilleurs dans le lot pour servir dans d'autres équipes. Et pour finir, trois pays unis pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est l'idée évoquée ces dernières heures depuis le Ghana. En effet, le ministre ghanéen de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Youssif, a déclaré que le pays des Black Stars envisage de faire une offre d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a évoqué des discussions d'une co-organisation qui aurait lieu entre le Nigeria et le Bénin, le Maroc, l'Algérie et le Sénégal ont également évoqué leurs intentions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.